Hey, bonjour à tous, ici Steve qui vous souhaite la bienvenue pour une vidéo toute spéciale. Et oui, c'est la saison de l'été, c'est la saison de c'est l'été, ça s'en vient. Et puis, été égale marché aux puces slash vente de garage. Et puis j'arrive de là, je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Toutes sortes de trucs totalement random. Yeah! C'est tout enlevé? Y'a mon boy. Mon sac qui fait des grenailles. Ok, comme ça. On va reculer un peu. Premier sac! Check ça, man! Vraiment de quoi de fucky, là. On dirait nul autre que Doctor Strange! Avec des mains léopard. Pis genre des articulations d'orteils. Vraiment fucked up. Mais quand même assez cool. Ensuite, dans le même sac, je l'ai pris juste pour Doctor Strange, mais il venait avec deux dudes que je connais pas en tout, c'est qui. Pis genre, son poche. Ben, ils sont cool en même temps, je veux dire, son lettre, là. Mais ouais. J'ai pogné Zeddy. C'est dans une binne, alors 25 cents. Une pièce, c'est que ça, un gars totalement random. J'ai dit, hey, donne-moi pas le change, je vais pogner ce sac-là. Un gars vraiment. Je sais pas c'est quoi, pas en tout. C'est un gars en imperméable. Puis genre, il est comme avec des grosses cicatrices sur le crâne. Je sais pas du tout c'est quoi. Pas pantoute. Oh, check ça! Un spawn! Damn! Un spawn, je m'attendais pas à ça. Je me suis pogné une pièce. J'étais là, une pièce? Ouais, c'est cool, c'est cool. Puis là, il manque ses accessoires, puis il est comme semi-articulé, mettons, genre. Il vient. Il est quand même en état correct, là. C'est un spawn, pis j'ai pas beaucoup de spawn, pis je me suis dit, let's go! Pas que ça, je me suis laissé emporter. Hey, check ça, un vieux Wolverine! Avec un sable, Wolverine est mauve! Ça, je trouve ça vraiment nice, là, comme pick-up, là, je trouve ça. Là, il y a un. Ah, man, j'avais même pas vu, il y a un piton dans le dos, mais il marche plus. On dirait que quelqu'un a joué dans le sable avec. Il y a eu du vécu, il y a eu du battle damage, de Wolverine, là. Nice. Check ça. Un épaulard avec un suit, man. J'étais comme, let's go. Oh, man, un souris de l'espace. Vinny, basketball. Moi, j'étais un gros fan de souris de l'espace, puis j'ai dit, damn, je l'ai pas, celui-là, c'est nice. Oh, attention, attention. Ça, c'est, ah, je te le présente après, c'est genre le pic de la journée. J'arrive de là, carrément, là, c'est la première fois que je tourne une vidéo dans le jour, c'est fou. Hey, check ça, Goldorak, c'est nice! Check ça, c'est vraiment ridicule, là. Hulk Hogan, en épingle à linge. C'est dégueulasse. Ensuite, dans un autre sac à une pièce, j'ai trouvé un gars fucky, man. Pis check. Qui fait un laser de la gueule. Boui, boui! What the fuck is going on? C'est quoi? Ça sort de où, ça? C'est écrit en arrière. Ah, oh, c'est un jouet McDo! Ça veut dire que c'est pour quelle sorte de film? C'est un jouet McDo, man. Je savais pas. Ah, oh, si, je l'aurais peut-être pas pris, mais je trouvais que le bout. Je trouvais que, genre. Un jouet dans ce bout-là qui marche encore. J'étais là. Oh. Fait que ça, c'est le chum avec qui j'étais. Il me l'a pogné. Gros merci à Julien, c'était nice. Musique. De et inspiré par le film. Fait qu'il y a des tunes par rapport que le monde a écouté le film et en fait, ça m'a inspiré cette chanson. Puis j'ai le film en VHS, fait que ce CD-là va aller direct avec le film en VHS. Ce qui est pas mal cool. Bon, on va se faire un peu de place. Ben oui, focus.
Yeah! Bon. Là, on va tasser ce que je viens de pogner. Voilà. Oh, attention, Goldorak. Et puis là, j'ai trouvé une madame qui mettait dans des sacs à pain des figurines. Et puis moi, j'étais là, je vois là, je disais ça à mes chums, et demain, je vais une vente de garage énorme, le gros marché aux puces du quartier. J'espère trouver des figurines vintage, genre E-Man, quoi de même, tu sais, là. On aurait dit que je le sentais que j'étais irréaliste, hein. Mais c'est vrai, dans le sens, j'ai été irréaliste parce que je n'ai pas trouvé de E-Man. J'ai trouvé un sac, oh shit, un sac de sac. Ok, ça c'est des accessoires de fou. Ok, là-dedans, cuit ici. Des tortues ninja, mon homme. Boum! Ok, on va regarder ça. Lui, il est poche. On dirait le tortue ninja du film de 2011. Lui, ça c'est un classique. Pas un classique, là, mais la série animée de 2007-2008. Oh yeah! En plus, il change sa tête. Check ça, c'est un fucky, man. Nice! Ensuite, un autre... un autre bizarre du film de 2011, ça je pense qu'il est China, il est China, c'est pas un McDo, mais il file jouer McDo. Un autre c'est le même, c'est carrément le même deux fois. Ensuite on a un... what the fuck is this? Ah, ça c'est pour McDo, ça c'est nul. Ça c'en est un cool. Ça c'est Léo mon homme de la série animée 2008, ouais ouais. Celui-là, c'est qui? Mauve. Mauve, c'est qui? Voyons. C'est... Donatello? Ouais, c'est ça, Donatello. Ça ressemble tout. Je ne reconnais presque pas. J'ai deux Donatello pareil. OK. Ensuite... oh, Raphaël. Avec... oh, avec sa ceinture. Nice. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Il est avec une cape. Leonardo avec une armure pis une cape. The fuck is this? Là, en tout cas, le bac d'une armure, il a pas le devant. C'est un peu fucké. Ici, oh, un classique. Ça, c'est un classique, mon homme. Michelangelo classique. Classic Animal Tracks. Oh, oui. Comme ça. Ensuite, oh, ça, c'est un récent. Ça, c'est celui-là de la série depuis 2000... quoi, 2014, de Nicolas Dion. Ouais, ça, c'est de nouveau. Nice. Crime, un autre. Ouais, on a combien, là, des Donatello? Trois Donatello, pareil. Je vais garder le plus beau, puis... parce que lui, il est pas pareil. Ces deux-là sont pareils, mais lui, il est pas pareil. Ah non, ça, c'en est un autre avec la carapace. Ok, il est pas pareil. Ok, on a deux pareils de la série Nickelodeon. Deux Léo. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, un foot soldier! Un soldat de foot! Du clan des foot! Les soldats de Shredder! Et puis lui que j'avais trouvé, le plus cool de trouver, c'est... fait partie... ça, c'est un comics à part, mais qui ont intégré dans les... dans les Tortues Ninja, c'est genre... il me semble que c'est Yojimbo, quelque chose de même, son nom. Puis c'est vraiment cool. Parce que je n'ai aucun. Puis il est quand même... il est quand même pas si pire, là. À part un peu de peinture qui s'en va tout seul. Ah non, il est sale. Il est dégueulasse. Sinon, côté accessoires. Comme un sac rempli d'accessoires, mon gars. Là, ça sort plus de ça, là. Comment... des accessoires, on n'a jamais trop d'accessoires. Oh, excusez. Ah, c'est plate, le focus n'était pas sur le sac. J'ai que ça, une armure, vraiment. What the fuck? Ça va être qui, ça? Ça va être qui a une beau, tu penses? Non, c'est bien trop gros pour lui. Ah, quand même. Ah, c'est quand même trop gros pour lui. Fuck, man, il y a plein de trucs. Il y en a un autre ici, c'est dans mes hot.
Je pense que le pic du le prime du loot, c'est ces deux armures-là qui sont vraiment nice. Là. Okay, je pourrais les mettre sur genre Doctor Strange. Avec une autre cape, ça c'est vraiment Tortue Ninja, je pense. Hein? En tout cas, des ceintures, des guns funky, des épées. Je sais pas c'est quoi, c'est, le manche est beaucoup trop gros. D'autres fusils, y'a plus de balles. Je sais pas c'est quoi ça, c'est quoi c'est ça, une matraque beaucoup trop longue. Puis ça c'est quoi un... Je sais pas c'est quoi. Des protège-tibia, des guns. Hey lui, hey ça c'est le bâton de hockey de Casey Jones, y'a pas Casey Jones dans le pack. C'est fucky hein. Ça, une arme carrément paysanne. C'est quoi ce gun-là? Wow, une caméra vidéo! Mais voyons! Une caméra vidéo! Pourtant, elle est prise au nid, elle est pas dans le pack. C'est quand même cool! Une valise! Elle s'ouvre-tu? Elle s'ouvre, man! Il y a comme un piton, on dirait une valise nucléaire. Avec le code. Ouais, c'est la valise à Trump. Ici, il y a une faux bizarre. Il y a un long bâton. Un très long bâton. Un autre long bâton, fucké. Une autre pièce d'armure. Ah, oh, je pense que ça va avec celui-là. Si je peux le trouver. Ah non, pas en tout. Je sais pas où ça va avec. Ah, je vais me mettre les mains en face après avoir touché ça. Ces jouets-là ne sont pas très propres. Non, on sait jamais. Ils sont peut-être bien clean, mais tu sais, on l'en sert. Une espèce de ceinture avec deux fourreaux, mais il n'y a pas d'épée. En tout cas, on va pousser ça là. Le sac, madame elle avait un prix de fou de mongol de 37$, 38$, puis j'ai dit, hey, je te donne 20 pour. Puis elle a dit, non, pas en bas de 30, là, quand même 15, madame. J'aurais dû tenir mon bout avec 20, mais finalement, j'ai donné 30. Je me suis laissé emporter par l'euphorie, mais vraiment, là, le pic, là. Dans le fond, les premiers avant le sac que je vous ai montré, là, la plupart étaient genre... C'est ce que je vous ai montré avant le sac, c'était genre même pas 10$. Puis le sac, c'était 30. Fait que j'ai genre dépensé genre 35$. Puis check ça, man. Celui-là, là, ça fait partie de petits soldats. C'est le... Man, c'est toutes les figurines de ça, j'ai toujours voulu les avoir. Puis genre, c'était fucking trop cher dans le temps. Puis ça a pas fait long feu, parce que ça a pas pogné, tu sais. Je veux dire, Small Soldier en anglais, si vous voulez faire des recherches toutes, là, la cassette, je l'ai, mais elle est loin, là. Mais celui-là, là, je me rappelle pas de son nom, mais c'était lui. Lui, il tournoyait sur lui-même, là. Il faisait tout le temps plein de jeux de mots délirants, là, pis il était... Tu sais, je veux dire, il a l'air d'un monstre, là, mais il était vraiment attachant, pis il était super comique, là. Pis genre, ah, oh, man, lui, il faisait partie des Gorgonites. Puis il se battait contre le commandant Chip Hazard et son commando d'élite. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est incroyable. Alors voilà, c'était ça pour... oh, il y en a d'autres ça. Pour le pick-up d'aujourd'hui. Assez funky. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas d'autres, je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Parce que proche de chez nous, il y en a pas vraiment. Ils vendent des gages de même. Puis on sait jamais ce qu'on peut trouver. Fait que si j'en fais d'autres, tant mieux. Sinon, c'est ça. Vidéo hors du planning, ben raide, pis je trouve ça vraiment nice. Je me suis levé tôt, même, pis je me suis couché tard, je suis brûlé. Ah! Fait que, bonne soirée, mon chum!